Bonsoir, messieurs, dames. C'est marrant, mais je me sens vachement seule, en fait. Un soir, je faisais un concert à Filinge, je crois, et il y avait un mec qui était tellement bourré qu'il a hurlé pendant toute la soirée. Et je suis rentrée chez moi, j'avais tellement les nerfs, j'ai dit je vais écrire une chanson spécialement pour que les gens la ferment. Et je me suis dit, du haut de mes 1m80, visiblement, on ne me voit pas assez, donc il faut que je prévoie une mise en scène en fonction. Est-ce que je suis transparente ou est-ce que tu me vois pas? Est-ce qu'il faut que je tire sur ma voix pour que tu remarques ma présence? Elle a l'air bonne, ta bière. À ta santé, l'ami, mais entends ma prière et fais un peu moins de bruit. Je voudrais rendre hommage à cet homme extraordinaire qui a partagé ma vie pendant 2 ans et demi, Tocard. Laisse-moi te dire, sombre idiot, ce que je pense de ces montagnes de ragots. Car tu l'as mise plus bas que terre, j'ai comme l'envie d'être grossière, cette chanson. C'est l'expression de ma colère. Tu peux vivre de la musique. C'est très compliqué. Donc déjà, les 3/4 des gens dans ma famille, dans mon entourage, sont persuadés que je suis une espèce de saltimbanque glandeuse. Et en plus de ça, ma mère, à chaque occasion, tu sais, il y a un mariage, il y a un anniversaire, un enterrement parfois, me dit « Vas-y, écris une chanson !» Tu sais, comme si c'était un truc que je pouvais faire en 10 minutes. En fait, pas du tout. Donc, voyant mon grand-père paternel sur le déclin, j'ai décidé d'écrire sa chanson de mort, comme ça c'est fait. Peut-être bien que là-haut, il y a des bistrots qui font de l'agneau, pépé. Je suis sûr qu'on joue à la pétanque après le déjeuner. Tu rejoueras comme avant, libéré du poids de ton corps. C'est sûrement toi qui gagneras. Je prends le médiator et je joue avec. Je le remets. Je rejoue avec les doigts. Je reprends le médiator. Vous avez compris ou pas? Non, parce que des fois, je joue dans des endroits, j'ai l'impression que c'est un peu consanguin. Tu sais, les gens ne captent pas directement ce que je dis. Bah, les ongles, je ne connais pas assez, je ne peux pas dire. La moule. Au début, je te prenais pour l'homme idéal. Et j'étais loin de me douter que tu deviendrais infernal. L'air tout penaud, tu me dis adieu sur le palier. Quand est-ce qu'il va se casser, mon Dieu? J'ai du champagne à faire péter. Prends tes clics et tes claques et débarrasse le plancher. J'en peux plus de tes bouquets et ta petite gueule de minette. Quand je fais ça, vous miaulez tel des petits chatons. On y va. Vachement bien quand il y a beaucoup de monde. Quand je fais ça, c'est l'escargot du rock'n'roll. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Là, vous simulez un orgasme. Alors d'accord, il y a beaucoup de vieux, effectivement. Il y en a qui ne se rappellent plus. Je vais vous faire une démonstration, ne vous en faites pas. Donc pour les trop vieux, chez les hommes, ça ressemble à un truc qui fait un petit peu... Ah. Ça peut être aussi saccadé. Ah, ah, ah. Ça marche aussi. Et pour les femmes, c'est quelque chose d'un peu plus aigu, une envolée comme ça. On y va. Vous êtes prêts? On fait un test. Bon alors, décoincez-vous un peu, merde, on est entre nous. Hein. On y va. C'est mieux. Il y en a, j'ai presque envie de leur donner des cours de sexualité après le concert. Si vraiment il y en a qui sont pas bien, venez me trouver, je vous explique. La complainte du chat. J'ai sauté sur le lit en violant comme un taré. La semaine dernière, elle a ramené un spécimen plutôt velu, qu'arrêtez pas de la faire crier. Eh, balaison, balaison, balaison. On se prépare pour l'Olympia, merde, faites un effort. On la refait.
Vous avez intérêt à être au point parce qu'on ne bougera pas d'ici. Ils ne joueront pas non plus. Tant que ce ne sera pas correct. La semaine dernière, elle a ramené un spécimen plutôt velu qui arrêtait pas de la faire crier. Ah bah vous voyez. Là c'est le moment où vous allez taper dans les mains. Maman, maman, maman. C'est mon prénom, c'est comme ça, faut faire avec. Merci à tous et bonne soirée.